Comme chaque année, la famille princière de Monaco distribue des cadeaux aux enfants de la principauté. Jacques et Gabriella ont répondu à la tradition au sein de la cour d'honneur du palais. Dans une ambiance festive et magique, les jumeaux ont donné à chaque enfant un présent. Aux grandes dames des Monégasques, la princesse Charlene, toujours en convalescence, était absente. Depuis son retour d'Afrique du Sud, la maman de Jacques et Gabriella souffre d'un épuisement profond à la fois émotionnel et physique. Elle a ainsi été admise au sein d'une structure spécialisée en dehors de Monaco. Le prince Albert était également absent lors de ces festivités. Jacques et Gabriella étaient bien entourés en cette occasion spéciale durant laquelle ils ont rencontré le Père Noël. Ils ont pu compter sur la présence de la princesse Stéphanie et de leurs cousins, Louis Ducruet et Camille Gottlieb, les enfants de cette dernière. Le petit prince et la petite princesse ont ainsi pu remplir leur mission avec brio. Entre câlins, baisers et gestes tendres, l'on a pu découvrir de jolis moments de complicité entre les jumeaux et leur tante qui veille sur eux. Jacques et Gabriella ont distribué les traditionnels cadeaux de Noël sans leur mère, la princesse Charlene, toujours en convalescence. Les jumeaux ont rempli leur mission avec brio avec l'aide de leur tante, la princesse Stéphanie. Un anniversaire singulier. Le 10 décembre dernier, Jacques et Gabriella ont soufflé leurs 7 bougies. À cette occasion, la princesse Charlene a partagé une photo des jumeaux devant leur gâteau d'anniversaire. Joyeux anniversaire mes bébés. Merci Dieu de m'avoir béni avec des enfants si merveilleux. Je suis vraiment comblée. Je vous aime, maman. Légendaire. Était-elle présente au palais? Jacques et Gabriella ont souffert de l'absence de leur mère, coincée en Afrique du Sud de longs mois à lutter contre infection de la sphère ORL. À peine rentrée à Monaco, elle était admise en établissement spécialisé. Le prince Albert expliquait au sujet de cette nouvelle séparation, elle leur manque, bien sûr, mais ils comprennent. Et de préciser quant à une éventuelle réunion de famille, nous irons la voir. Je ne peux pas vous donner de délai à ce sujet. Pas dans les prochains jours, certainement, mais dès que nous aurons le feu vert médical.